Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test d'un haut-parleur Bluetooth. Alors, c'est toujours un produit qui m'a été envoyé par Mobile Fun. Vous retrouverez le lien dans la description. Si ça vous intéresse, regardez. Alors, la marque, c'est VO. Alors, c'est une marque que je ne connais pas. Hein. VO, c'est le modèle, c'est M6 Mode. Dans la boîte, alors, il y a un câble jack vers jack. Ce qui est une bonne chose hein, si vous, avez, vous voulez le brancher en câble plutôt qu'en Bluetooth. Hein. Dans la boîte, c'est fourni. Et c'est fourni aussi avec un câble USB vers micro USB pour recharger. Il y a un petit manuel, un petit guide. Hein, voilà, vous regarderez. Est-ce qu'il y a du français? Je vais regarder. Voilà, il y a un petit manuel. Il y a bien du français dedans. Si vous achetez ce petit haut-parleur, vous regarderez hein, dans le manuel. Il y a bien le français. Mais bon, c'est pas très très compliqué. Voilà, on va passer directement sur le haut-parleur. Alors, le haut-parleur, à quoi il ressemble déjà? Alors déjà, je trouve qu'il a un petit look rétro, qui est super sympathique, avec une petite lanière, c'est du cuir, hein, une belle petite lanière en cuir, comme ça, pour la transporter. Alors, elle est tout en métal, hein, l'arrière, le dessous, 4 beaux patins, qui permet... Alors, la puissance, je vous ai pas dit, c'est 2 x 3 watts. Franchement, ça envoie quand même du pâté, hein, c'est pas mal. Elle est tout en métal. L'arrière, vous avez, comme je vous ai dit, d'un côté, jack vers jack, l'entrée pour recharger en USB. L'avant, par contre, c'est du tissu. On dirait du métal comme ça, mais c'est du tissu ici. Hein. Tout le devant, c'est du tissu. Sur les côtés, là, c'est du tissu. Il n'y a que le dessous et l'arrière et le dessus qui sont en métal. À l'avant, ici, on a un bouton on-off. Volume plus-moins ou passer les chansons. Ensuite, le bouton pour faire play-pause. Hein. Il y a un micro. Alors ça, le micro, je n'ai pas testé. Je ne sais pas s'il est de bonne qualité ou pas. Je n'ai pas testé le micro. Je ne vais pas vous faire du pipeau. Mais pour écouter la musique, c'est très sympathique. Je la trouve super jolie. Elle tient bien grâce au petit patin. Hein. Elle ne bouge pas. Je vais vous faire écouter un peu de son, même si c'est vrai que ça ne représente pas vraiment avec un micro comme ça. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment pas mal. Pour. D'ailleurs, même l'autonomie, j'ai trouvé qu'eux, ils les annonçaient une autonomie de 8 heures. Moi, j'ai tenu plus de 15 heures. Alors, franchement, j'ai fait quasiment le double de ce qu'ils annoncent. Par contre, elle est longue à charger, à peu près 4 heures pour recharger la batterie. Mais moi, j'ai tenu 15 heures avec le son à fond. Vraiment, elle a une autonomie de malade. Je vais vous faire écouter un peu de musique. C'est de la musique libre de droit. C'est pas super représentatif. Hein. C'est pris avec un micro. Mais je vous dis, le son est vraiment correct. Ça est très sympathique. C'est pas une discothèque, mais c'est très sympa, quoi. Voilà, on va pas faire 2 heures là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a des bons aigus, des bonnes basses. C'est très correct pour une petite pièce. Hein. Ça va pas faire une discothèque pour remplir toute une maison. Mais en tout cas, moi, j'ai testé ça dans mon salon. Ça fonctionne impeccable. Salle de bain, impeccable aussi. Très bonne autonomie. Ça, j'ai été surpris hein, parce qu'ils annonçaient 8 heures. Moi, j'ai tenu 15 heures avec. Assez longue à charger, 4 heures. Mais super autonomie. Le son, tout à fait correct, aussi bien au niveau des aigus, des basses, c'est tout à fait correct. C'est pas du truc audiophile, mais c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Je l'ai bien testé, hein. J'ai essayé ça pendant 5 minutes et je vous dis, elle est bien. Hein. Je
C'est vraiment bien bien testé. C'est un produit que je vous conseille. Il est vraiment bon, vous en serez content. Après, quand on met très fort, des fois, ça peut, certaines musiques, ça peut saturer un peu. Mais dans l'ensemble, même à fond, ça passe quoi. Voilà. Il y a certaines chansons où ça risque de un peu saturer, mais dans l'ensemble, ça passe très très bien. Si vous voulez un petit haut-parleur Bluetooth, moi je vous la conseille. Je ne sais plus exactement à quel tarif elle est, mais regardez, le lien est dans la description. Jetez un œil, si ça vous intéresse, achetez-la, c'est à vous de voir. En tout cas, partagez cette vidéo si ça vous a plu, à gauche, à droite. Hashtag le partage chez la vie, on continue. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain test. Prenez soin de vous et puis à très bientôt pour le prochain test quoi. Allez, ciao ciao à tout le monde.